Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai sorti mon fils. On est à l'aquarium de l'hôtel Atlantis à Dubaï. J'espère que vous m'entendez. Un des hôtels les plus grands et les plus connus de Dubaï. Et donc là, on regarde plusieurs poissons. Je suis contre les aquariums, mais bon, je pense que pour les côtés éducationnels des enfants, ça peut être sympa. Et là, ça fait 5 minutes à peu près qu'on est devant cet aquarium. Et pendant 5 minutes, ces poissons n'ont pas bougé. Ils sont tels qu'ils sont depuis 5 minutes. Et là, mon fils m'a dit quelque chose. Il m'a dit, mais papa, ces poissons n'ont pas bougé depuis. Est-ce que l'aquarium n'est pas trop petit pour eux? Nathan, give me some time. Wait. We go soon. Et il me dit, est-ce que l'aquarium n'est pas trop petit pour eux? Et je lui ai dit, en effet, oui, l'aquarium est trop petit pour eux. Et je me rends compte que c'est le même cas de plusieurs personnes. Des personnes qui sont bourrées de talent, telles que la grosseur de ces poissons, mais qui sont bloqués dans de petits aquariums, des aquariums qui ne peuvent même pas contenir leur talent, contenir la grandeur de ce qu'ils peuvent faire. Est-ce que tu te sens comme ce gros poisson? Tu sens que tu n'es pas à ta place là où tu es? Tu sens que tu stagnes dans ta vie depuis plusieurs années, que tu ne réalises rien, que tu ne fais rien? Laisse-moi te dire qu'il y a beaucoup plus grand qui t'attend. Ces poissons, certainement, ne savent pas que les mers existent, ne savent pas que les océans existent, ne savent pas qu'il y a une autre vie en dehors de cet aquarium. Pourtant, il y en a une. Une où tu peux vivre pleinement tes rêves, où tu peux vivre pleinement ta vie, où tu peux te déployer à 1000, 2000, 3000% et avoir une satisfaction beaucoup plus grande. Si aujourd'hui, dans le boulot dans lequel tu es, tu as l'impression d'être dans un petit aquarium, alors la première étape, c'est déjà de te trouver un aquarium plus grand, dans lequel tu peux beaucoup plus te mouvoir. Et après, l'étape suivante, c'est de trouver des mers dans lesquelles tu pourras beaucoup plus te mouvoir. Et après, tu iras dans les océans. Et là, c'est ton espace. C'est aux océans que tu appartiens. Ta grosseur, la grandeur de tes expériences, la grandeur de tes compétences est faite pour que tu puisses te déployer dans les océans. Regarde à ta vie, regarde à ce que tu veux, à comment tu peux l'améliorer. Regarde aux océans qui sont autour de toi, où tu peux facilement te mouvoir, où tu peux exprimer tous tes talents et décide aujourd'hui de te bouger, de te lever de là où tu es, d'espérer une vie meilleure, d'espérer une vie dans laquelle tu es plus épanoui, une vie dans laquelle tu vis tes rêves. Et c'est tout ce que je te souhaite. Voilà ce que je voulais te dire dans cette petite vidéo. Je veux que tu passes à l'action aujourd'hui et que tu puisses vivre tes rêves à la hauteur et à la grandeur de tes compétences, à la hauteur et à la grandeur de ce que tu as à l'intérieur de toi, à la hauteur et à la grandeur de ce que tu vaux réellement. Meut-toi, bouge, va de l'avant, va vers les mers, va vers les océans et quitte dès maintenant le petit aquarium dans lequel tu es.